Bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Oh, je sais même pas quand la vidéo sort. Salut mes ostracodermes. Eh ouais, on parle quand même du premier poisson vertébré qui est apparu il y a 510 millions d'années. Et d'ailleurs, en parlant de vieux trucs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle pourrait être la chose la plus ancienne, la plus poussiéreuse sur Terre? Alors moi, je mise tout sur une pierre ou un truc du genre. C'est complètement possible. Sachant quand même que notre planète vient de fêter ses 4 milliards et 543 millions d'années, le truc le plus ancien, ce serait un élément naturel, genre un minerai ou un végétal fossile. Mais ce serait trop facile et on va pas s'intéresser à ce que la Terre a créé, mais ce qui est issu plutôt des mains de l'homme. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution, est-ce que vous savez comment devenir les cracks de la préhistoire et en savoir toujours un petit peu plus sur le monde qui nous entoure? Grâce à notre incroyable et merveilleux partenaire du jour, SchoolMove. Oui, c'est brillant. Parce que SchoolMove est une plateforme d'accompagnement pédagogique en ligne qui vous permet de réviser et de mieux comprendre vos cours, de préparer vos examens et d'apprendre tout un tas de trucs de façon ludique et sympathique. Vous y trouverez toujours plus de contenu adapté, comme des vidéos, des fiches de révision, des exercices, des quiz, et ce dans toutes les matières du CP à la terminale. Vous pourrez étudier l'histoire, comme avec cette vidéo, et remonter aux temps les plus anciens de la préhistoire. Et ouais, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour devenir aussi malin qu'Elon Musk. Okay. Et comme ils savent de quoi ils parlent chez SchoolMove, tous les contenus sont conformes au programme de l'éducation nationale et sont parfaitement adaptés pour le nouveau baccalauréat. Du coup, grâce à votre abonnement, vous aurez accès à tous les contenus en illimité, aussi bien depuis votre ordi, avec le site internet, que via l'application qui est dispo sur iOS et Android. Pratique pour réviser un peu partout, en attendant le métro, à votre pause déj ou même sur vos voies terres. Quand j'étais plus jeune, par exemple au lycée, j'aurais clairement adoré avoir ça. Ça m'aurait évité pas mal de notes de merde, quoi. Puis faut le dire, c'est quand même un petit peu plus ludique que les cahiers qu'on vous balance en cours, quoi. Enfin bref, n'hésitez pas à aller checker le lien en description pour devenir des experts en histoire et en fiches méthodes. Ça fait rêver, hein. Moi j'aime bien l'école. Bref, maintenant, plongeons-nous ensemble dans le passé pour découvrir le truc le plus ancien créé par l'homme. Bon, dites-moi, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, un vieux caillou. Alors oui, il est vieux dans tous les sens du terme. Mais c'est bien plus que ça, puisque en fait, il s'agit d'un petit morceau de la plus vieille météorite du monde. Et elle est tellement vieille qu'elle est encore plus ancienne que la Terre elle-même. Parce que l'âge du caillou est estimé à 4 milliards et 565 millions d'années. Attends, comment c'est possible que ce caillou soit plus vieux que la Terre? Eh bien, tout simplement parce qu'il provient d'une protoplanète, c'est-à-dire un grand corps rocheux qui devait devenir une planète, mais qui n'a pas réussi à survivre face à d'autres corps bien plus gros que lui. Bah, genre la Terre, quoi. Vous voyez, avant qu'une planète devienne une planète, en fait, il y a plein de caillasses qui se réunissent, pour résumer, et ces caillasses finissent par former des protoplanètes, et ensuite des boules de plus en plus grosses. Et tadam! Ah, j'aurais été tellement bon en physique-chimie. Et du coup, en réussissant à traverser les millions ou les milliards d'années, hein, ce caillou nous raconte l'histoire fascinante de notre système solaire. Découverte en mai 2020 dans le désert du Sahara, la météorite Erkchesh 002 est un objet extrêmement rare. Avec son équipe, le géomiste Jean-Alix Barra a déduit que ce fragment avait voyagé pendant plus de 4,5 milliards d'années dans un tas de gravier, ce qui l'a protégé du rayonnement solaire. En réalité, il s'agit d'une andésite, une pierre volcanique riche en sodium, en fer et en magnésium, ce qui fait aussi de cette roche la plus ancienne lave connue à ce jour. En tout cas, Erkchesh 002 est une découverte majeure pour la science, car si on connaissait plusieurs météorites datant des débuts du système solaire, elles n'avaient pas la même composition. Ce qui fait de cette dernière une aide précieuse pour en savoir toujours un petit peu plus sur la diversité de ces grosses caillasses, hein, les protoplanètes, quoi. Et aussi la formation de notre univers. Et ça, c'est quand même un peu la classe. Alors oui, c'est super tout ça, mais en attendant, t'as complètement niqué le suspense du reste de la vidéo. Mais non! Mais non! Non! Là, on vient de parler du truc le plus ancien sur Terre, mais il ne vient pas d'ici, il n'est même pas créé par l'homme. Spoiler, l'homme est quand même plus récent. Alors c'est quand même du coup un peu de la triche. Du coup, on va s'intéresser plutôt à l'objet le plus ancien. Et attendez, hein, d'ailleurs, laissez-moi prendre du coup un dico. Bah Chris, c'est pas un dictionnaire ça. Alors, un objet, c'est une chose solide, considérée comme un tout, fabriqué par l'homme et destiné à une utilisation bien précise. Du coup genre, une poêle, un pied de biche, un canard en plastique, ça ce sont des objets quoi. Bref, vous avez compris l'idée. Et d'ailleurs quand on se demande quel est le plus vieil objet du monde, on pense surtout à des dessins rupestres, des pierres abîmées avec les premières traces d'écriture, des outils archaïques qui ont permis à l'homme d'évoluer et de devenir aujourd'hui un hominidé particulièrement intelligent, fier de son évolution et de la destruction de la planète. Enfin, après ça dépend du point de vue. Mais en réalité, est-ce que le plus vieil objet du monde ne pourrait pas être un chewing-gum? Attends, quoi?
Tu parles bien de ce vieux bout de goudron qui donne parfois des envies de meurtre quand t'entends quelqu'un mâcher très fort ? Voilà, c'est ça, c'est une possibilité. Dans le sud du Danemark, des chercheurs ont retrouvé un truc qui ressemble vaguement à un chewing-gum, composé essentiellement d'écorce de bouleau chauffé, donc une matière qui était très utilisée autrefois en Scandinavie, notamment en guise de colle. Du coup, ouais, en gros, c'était l'ancêtre de la glu. Waouh, un vieux bout de gomme dégueulasse. Comme c'est fascinant. Eh bien, tu te moques, mais c'est pourtant la première fois que des scientifiques ont réussi à reconstituer un génome entier à partir d'autre chose que des os humains ou des dents. Et grâce à leur analyse, ils ont découvert que ce chewing-gum avait été mastiqué par une jeune femme qu'ils ont nommée Lola, et qu'elle vivait sur un yacht de 22 mètres de long et qu'elle buvait des mojitos. Tu fous ma gueule, toi ? Non, pardon, c'est pas du tout ça, non. Et qu'elle vivait du coup sur une île de la mer Baltique vers 3700 avant notre ère. Et grâce à ce petit morceau de chewing-gum, on a pu apprendre tout un tas de trucs sur cette mystérieuse Lola. Genre qu'elle était intolérante au lactose, qu'elle souffrait d'une maladie de gencive, et que son dernier repas était composé de canards et de noix. Comme quoi, bah, un vieux truc en boulot a pu révéler de nombreuses infos sur la façon de vivre de l'époque, quoi. Bon alors, c'est sympa ton histoire de chewing-gum, là, mais ça devait pas beaucoup les nourrir, les gars, à l'époque. T'as raison. Et bah du coup, ouais, la première vraie priorité de l'être humain, c'était quand même de survivre. Et donc, par extension, de se nourrir. Du coup, l'homme a dû développer tout un tas de techniques de chasse, histoire d'avoir plus de chances de rentrer chez lui avec un truc à graille, quoi. Et c'est là que les outils ont fait leur apparition, qu'ils soient faits de pierre, d'os ou de bois. Et donc, ces objets ont considérablement amélioré la vie de nos ancêtres. Ils ont pu varier leur alimentation en chassant de nouvelles espèces ou en ramenant davantage de bouffe. Non, parce que du coup, chasser le gibier à main nue, voilà, c'était cool 5 minutes, mais c'était pas hyper pratique. Et du coup, quoi de plus efficace que la lance ? Objet tout à fait redoutable pour venir perforer la chair de sa proie. Parce que si on considère que les premières lances sont apparues à l'ère du Paléolithique, on estime que les plus vieilles retrouvées à Schöningen, dans le nord de l'Allemagne, auraient plus de 300 000 ans. Et du coup, ça y est, on a trouvé le plus vieil objet du monde ? Non, parce que j'ai des trucs à faire là, donc bon... Eh bien non, parce que si on se réfère à une chose construite par l'homme, encore faudrait-il savoir de quel homme on parle exactement. Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Eh bien, généralement, quand on parle d'être humain, on fait référence à notre propre espèce, c'est-à-dire l'Homo sapiens. Mais tu n'es pas drôle. Voilà, donc arrivé il y a à peu près 300 000 ans. Or, bah, les recherches archéologiques de ces dernières années ont prouvé que bien avant les Homo sapiens, bah, d'autres espèces ont su tirer leurs épingles du jeu en créant des objets utiles à leur survie. Et parmi nos plus vieux ancêtres, qui étaient loin d'être aussi teubés qu'on ne le pensait, on retrouve tout un tas d'hominidés plus ou moins connus, comme l'Homo erectus, les Australopithèques. Bah, il y a combien de lettres à ce mot ? Australopithèque. Ouais, pardon, du coup, ou même l'homo antécesseur. Jamais entendu parler de celui-là. On dirait le nom d'un catcheur mexicain. Eh bien, en fait, il s'agit de la plus vieille espèce d'être humain d'Europe. En 2005, une équipe de chercheurs a trouvé une omoplate fossilisée datant de 800 000 ans dans le gouffre de l'éléphant, un site préhistorique d'Atapuerca situé dans le nord de l'Espagne. Cet os aurait appartenu à un enfant Homo antecessor, âgé d'environ 5 ans. Mais la chance accompagnait les archéologues, puisque la même année, ils ont aussi eu la surprise de découvrir, enfoui sous 3 tonnes de sédiments, un silex vieux d'1,4 million d'années. Oui, du coup, vous avez bien entendu, on parle bien d'une très très vieille lame de 3 cm, taillée par un lointain ancêtre de l'être humain. Mais ça servait à quoi exactement les silex ? Bien, faut vraiment que tu t'imagines qu'au début de l'humanité, on n'avait pas de couteau pour couper son steak, ni de briquet pour se faire du feu, alors du coup le silex, comme celui que j'ai dans les mains, c'est une énorme révolution pour le quotidien de nos ancêtres. Ça leur servait à déchiqueter de la viande, à faire du feu, et surtout à tailler d'autres pierres en gros. C'est un petit peu le couteau suisse de l'époque. Et c'est grâce à la technique de percussion que les premiers hommes ont réussi à perfectionner leur outil. Pour cela, il fallait un percuteur, autrement dit une roche dure ou tendre que l'on tapait contre le noyau qui servait de base au futur outil et qu'on appelait le nucléus. Et du coup, un tel objet, ça se mérite, puisqu'il aura fallu plus de 7 ans aux chercheurs pour déloger le fameux silex, qui était prisonnier d'un bloc d'argile. Et leur travail acharné a été récompensé, puisqu'ils ont quand même découvert le plus vieux couteau aztèque du monde. Bien joué les gars. Putain, ça c'est un vrai couteau. Alors j'avoue qu'un silex âgé d'un million d'années, ça commence à faire vieux. Ouais, et on peut aller encore plus loin. En effet, on a retrouvé en Éthiopie des outils en pierre, plus rudimentaires que des silex, et qui remontent eux à 2,6 millions d'années quand même. Alors jusque-là, les anthropologues pensaient que ces outils étaient l'œuvre de la première espèce d'homme du monde, quoi, à savoir l'Homo habilis. Vous voyez, il a à peu près cette gueule qui aurait vécu aussi à cette période. Mais c'était sans compter sur les recherches de Sonia Armand, chercheuse au CNRS.
CNRS, qui trouvait que ces fameux outils étaient quand même déjà vachement bien élaborés. Preuve selon elle que le taillage de pierre avait commencé bien avant l'arrivée des premiers Homo habilis. Alors, pour explorer son hypothèse, elle se rend en 2011 sur une terre longtemps considérée comme le berceau de l'humanité, à savoir l'Afrique. C'est au Kenya, sur la rive ouest du lac Turkana, que les fouilles ont débuté. Dans une zone nommée Lomekwi 3, les préhistoriens ont remarqué une concentration de pierres volcaniques de dimensions variées, taillées sur plusieurs mètres carrés. C'est en expertisant leur découverte que les chercheurs ont confirmé que ces pierres taillées remontaient à 3,3 millions d'années. Il s'agit donc de la plus vieille pièce découverte à ce jour. Donc, effectivement, vous avez là le plus vieux truc au monde créé par l'homme. Et on peut dire que ces outils ne ressemblaient à rien à ce qu'on avait pu découvrir par le passé. Parce que si d'habitude les premiers outils dépassent rarement les 10 cm, se retrouver au Kenya était fait à partir de gros blocs de 30 cm et pesant parfois jusqu'à 15 kg. Pourtant, une question subsiste encore. Derrière les plus vieux trucs au monde, qui a bien pu les fabriquer? Du coup, à votre avis, la Poiscaille, qui était à l'origine de ces pierres taillées? En sachant que, à cette époque, les premiers Homo habilis n'existaient pas. L'Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, non plus, il y a un mystère là-dessus. Alors bon, c'est certainement l'œuvre d'hominidés encore plus anciens, comme par exemple le Kenyanthropus, ou même un Australopithèque qui passait par là. Ah oui, comme Lucie, la petite meuf ultra sexy de 3,2 millions d'années. Oui, peut-être, peut-être. En tout cas, une chose est sûre, ces pierres ont bien été taillées par des mains habiles dans un objectif précis, à savoir la nourriture et la survie, ou vraisemblablement aussi de quoi éclater la tronche d'une bestiole pour la bouffer au calme. Mais si encore aujourd'hui, l'archéologie réserve de nombreuses surprises aux experts et aux passionnés, qui sait quel secret se cache encore sous terre, et ce qu'il pourrait nous apprendre sur l'histoire de l'humanité. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si d'ailleurs vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vos révisions, pensez à School Move. Sur ce, nous, à la prochaine.